Voilà, donc on va voir comment récupérer son identifiant et mot de passe sur Gabriel. Donc il faut d'abord se rendre sur le site ec-gabriel.fr. On va commencer par identifiant oublié en cliquant sur le lien. Et donc là, on doit renseigner le mail qui a été renseigné sur sa fiche enseignant. Si vous ne rappelez plus le mail qui est associé à votre fiche, ben vous le demandez à votre chef d'établissement. Donc là, moi, je sais que je suis enregistré avec l'adresse de l'enseignement catholique. Je fais envoyer et je vais revenir cette fois-ci sur la page d'accueil pour récupérer le mot de passe qui est associé. Donc, je clique sur mot de passe. Là aussi, je renseigne le mail qui est associé à ma fiche enseignant et je clique sur envoyer. Donc ça va déclencher l'envoi de deux mails dans ma messagerie avec ces informations. Donc je me positionne dans ma messagerie. J'ai un premier mail qui est arrivé avec mon identifiant. Mon identifiant, c'est Perroyer. Je vois un deuxième mail qui vient d'arriver avec cette fois-ci un lien qui va me permettre de modifier le mot de passe. Alors ce mot de passe doit être composé de au moins 8 caractères et d'une minuscule, d'une majuscule, d'un chiffre et de un des caractères suivants, donc l'étoile, le dièse, le dollar, le trait, le tiret du 6 et le tiret du 8, hein, le tiret souligné. Voilà. Je peux cliquer donc sur le lien en dessous pour créer ce nouveau mot de passe. Voilà. Je me mets ici. Renseigner le mot de passe identique une fois. Donc c'est bon, le changement a été pris en compte. Je retourne sur l'accueil. Maintenant, pour me connecter donc à Gabriel, j'utilise l'identifiant qui a été renseigné. Hein. Ce n'est pas l'adresse mail, c'est bien un identifiant. Pour moi, c'est Perroyer. Et donc, je saisis le mot de passe que je viens à l'instant de modifier. Se connecter. Voilà. Donc j'ai une page d'accueil avec des conditions d'utilisation que je dois accepter tout en bas. Je fais accepter. Et donc j'arrive ici, sur cette page d'accueil, avec le lien de toutes les applications de l'enseignement catholique. Voilà, c'est tout.